une nouvelle vidéo sur Beedlebar, on est en live sur Twitch, on est 73 personnes, on est vendredi soir, c'est pour ça qu'on a de la concurrence le vendredi, il y a énormément de monde qui stream, et puis même, de toute façon, on est en petit comité, et ça fait vraiment plaisir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous montrer, pour vous YouTube, parce que pour vous Twitch, je vous le verrai pas, mais sur YouTube, vous allez voir le tableau, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire avec ce fumier. Et puis je vais essayer de l'expliquer pour que ceux de Twitch essayent de comprendre pourquoi je mets du fumier et pourquoi je vais labourer ou pas. Voilà. Mettre ta cam pour le live JD où on voit ton volant. Voilà, c'est le G27, après il n'y a rien de spécial, hein, G27, pourquoi pas. Quand j'aurai fait mon nouveau truc, parce que là je vous dis, depuis quelques mois j'arrête pas. Depuis quelques mois. Et ça va bientôt faire un an, mais le gars il dit quelques mois, tu vois. Non mais depuis quelques. Je veux mettre deux joysticks et le volant. Et du coup, pour ça, c'est faisable. Hein. Vous pouvez mettre deux joysticks. Maintenant, on peut mettre autant de joysticks qu'on veut. Parce que grâce au volant de Farming qui a fait ses nouvelles mises à jour, il n'y a plus besoin de regarder mon tuto en fait. Et on peut mettre autant de volants qu'on veut et deux joysticks maintenant. Donc ça, c'est bien. Ça, je vous expliquerai comment faire. Et vous allez voir, c'est plutôt cool. Surtout qu'on a deux joysticks quand vous voulez faire de la pelle ou si vous voulez faire du bois, ça peut être sympa. Coucou YouTube! Ils sont tous, il y a Antonin, il y a Quentin, il y a Nico, il y a le roi, il y a Monsieur Démon, il y a tout le monde qui vous fait coucou YouTube. Bref, je vous montre à vous sur YouTube le tableau, vite fait, donc vous allez le voir ici. Boum. Vous pouvez trouver ce tableau sur le geekdumanceau.fr. C'est le tableau explicatif pour l'utilisation du mode Seuil Mode par Fred et Cyril. Voilà, tout simplement. Maintenant, pourquoi je veux mettre du fumier? Alors depuis tout à l'heure on se bat un petit peu sur le live pour essayer de mettre de faire du fumier. On a réussi à faire un épandeur jusqu'à présent, donc c'est déjà pas mal. Donc je vais aller l'épandre et je vais vous expliquer. C'est marqué ici, donc j'ai mes champs qui sont à zéro. Ça veut dire qu'il n'y a plus de haine, il n'y a plus de PK, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien dans le champ. Voilà, il est à sec parce que c'est des champs qu'on vient seulement d'acheter. Et depuis qu'on possède la map, ou la carte du moins, et ben du coup tous les champs ont eu le temps de s'assécher, pardon, et donc voilà. Donc si on fait un fumier, comme vous pouvez le constater sur le tableau, dommage pour vous Twitch, hein, il faudra vraiment que je mette une application pour ça, hein, pour que vous puissiez voir le tableau en fait. Si on fait un labour avec fumier, on rajoute 11 N et 4 PK sur le champ en une seule fois. Ça veut dire que quand le seuil mode à minuit va recalculer tout, il va nous rajouter 11 N et 4 PK. Donc c'est vraiment énorme. Si par contre on fait un fumier et un déchômage, c'est 6N et 2PK, donc ça vaut vraiment pas le coup. Donc je vais vous montrer ça, on va aller jusqu'au champ là-bas, pour comprendre un peu de quoi je parle. Au pire, demande de l'aide à Giant sur leur forum. Ouais, c'est vrai que on parle pas assez d'eux, mais sur le forum de Giant, ils font un travail vraiment magnifique. En plus, ils parlent français, les gens, donc n'hésitez pas à y aller. Et il y a le service après-vente. Voilà, c'est surtout ça, c'est pour le service après-vente. Je me suis planté de champ, c'est par là. Donc nous, on a fini de faucher le champ en live. On a fini aussi... On a traité le NPK parce que l'herbe, il faut faire un NPK par jour. Pour ceux qui n'avaient pas suivi jusqu'à présent, qui ne nous ont pas suivi pour le seuil mode, quand vous achetez des champs d'herbe, il faut faire un NPK par jour sur les champs d'herbe. C'est très important, ça le garde, ça le maintient tout le temps à 125%. Voilà. 100% c'est bien, mais 125 c'est mieux. Là j'ai acheté les champs parce que souvenez-vous, avec le champ 14 qui se trouve à côté là où il y a le déchômeur, on était tout le temps emmerdé. Ce champ vous appartient pas, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, maintenant on est arrivé au champ et comme vous pouvez le voir, pH du sol 6,5, humidité du sol 0%, nutriments N, il n'y a plus rien, le PK il n'y a plus rien, mauvaise herbe, bon voilà, il n'y en a pas, mais si on se déplace de quelques mètres, normalement il va nous dire mauvaise herbe 5%, d'accord. Donc le mieux c'est de passer, on va se faire du fumier et ce sera exactement comme sur le panneau, ça va nous rajouter du N et du PK. Donc quand on va passer minuit, donc ça va nous rajouter ça. Donc on va faire un petit contrôle 0, petit contrôle point, on va faire tac news, pardon, on va essayer de faire ça bien. Alors, oui, on va voir si on peut faire ça bien. Peut-être décaler un petit peu. Mince, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc, je suis en coupe. Il est pas censé décaler normalement. Ok, lol. Ah ouais, ça allait bien. Moteur, je cliquais, ça faisait rien.
aide à la conduite, non merci. On va peut-être... Non, on va pas diminuer ça, on va laisser comme ça. On est parti. Contrôle, point. On appuie sur X. Ouvre la porte, s'il te plaît. Salut les gens de Rive. On est parti, on appuie sur B et on fonce. Waouh, il y a le... Mince, j'en perds mes mots. Le Gaming Mode d'installer sur la map, incroyable. Sur la mienne, ça sera exactement la même chose. Le nouveau Gaming Mode est exactement comme ça. Donc moi j'ai mis ça aussi. Je ferai peut-être une version avec le Save Mode sur ma map, ouais. Ouais. Je ferai sûrement une version. Hein. Pour pouvoir faire je joue dessus, ouais, ça m'intéresse énormément de le faire. Donc je ferai sûrement une version. Après, faut savoir que vu qu'il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il y ait une version avec de la boue et une version sans boue, ça répond à votre question. Le Save Mode enlève la boue, donc comme ça, on sera pas emmerdé. Voilà, ça répond aux demandes de tout le monde. Une version avec de la boue, une version sans boue. Et une version sans seuil mode et une version avec seuil mode. Ça répond à tout le monde. Voilà. Après, on s'arrêtera là. Et la prochaine, je peux vous dire que normalement, la prochaine map, elle pourrait déchirer parce que je vais... Et vu que je commençais à faire mes propres 3D en panneaux, en rocher, j'ai commencé des maisons. Ouais, j'ai commencé les maisons. Ça prend un peu de temps, mais une maison, c'est pas si compliqué que ça à faire. Ça, limite, vous pouvez trouver énormément de tutos. Ouais, des maisons, vous pouvez trouver des tutos sur internet. Et ben, on est dans la merde, parce que... Shit. On est dans la merde, parce que là, il va falloir trouver une solution pour trouver du fumier, hein, parce que moi, j'en ai plus. Hein. Alors, on est dans la merde. Et ça, c'est bon de le dire. La map elle avance super bien, hein. Là je l'ai mis sur le serveur, il y a Cam qui veut rajouter une fonctionnalité. Bah, je lui ai demandé si c'était possible parce que c'est lui qui scripte, hein. Moi je scripte pas. Là c'est un truc tout nouveau pour moi, j'ai pas vu ça non plus. Le script existe mais j'ai pas vu que c'était fait pour les pommes. Et du coup on va mettre des pommes en tonneau. On va mettre des pommes en bouteille de cidre, pardon, attention, avec des étiquettes, le cidre normand, c'est pas bon pour la santé. Non mais je sais pas, non mais on va mettre un truc, ça va être sympa. Et du coup vous allez pouvoir mettre vos bouteilles de cidre en bouteille, et ça c'est vraiment génial. Donc il faudra déjà aller récolter ces pommes, de ces pommes les envoyer, les livrer. Une fois que vous les livrez, ça va se transformer en bouteille, ces bouteilles vous les livrez ailleurs, voilà. Donc plutôt sympa comme concept, qui était normalement parti pour le raisin et au final c'est parti pour les pommes. Hein. Ce qui est plus logique puisque Braise Mabro est plus pour les pommes que pour le raisin. Hein. Vous êtes d'accord avec moi et du coup on est parti dans ce délire là en fait. Voilà. Et on espère faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et puis en façon on verra suivant quand la map sortira, quand tous ces petits trucs vont sortir, on verra si ça plaît énormément aux gens. Qu'est-ce qui plaît pas aux gens, parce qu'il faut savoir que bah, des fois ça tout ne plaît pas. Hein. Ce qui est logique un peu dans la vie. Hein, on peut pas avoir tous les mêmes goûts et tous les mêmes couleurs. Non, moi j'arrive à comprendre ça après, hein. C'est pour ça que je m'en tape. Et tout ce qui va pas trop, on essaiera d'améliorer dans la prochaine version et d'essayer d'en faire quelque chose de plus top. Parce qu'il faut savoir que j'ai pas l'intention de la reconvertir, j'ai l'intention de repartir de zéro et d'en refaire une nouvelle. Je pense que j'ai envie de vous dire, je peux mieux faire. Voilà. C'est ça en fait mon truc qui est dans ma tête, c'est je peux mieux faire et c'est pour ça que je vais reprendre sur un nouveau truc. Voilà. Je n'ai pas vu. Merci le farmer Roro pour le follow. Je m'excuserai, j'avais pas fait attention. Voilà. Alors. À l'occasion, passe au salon de la Tech au vin en Haute-Vienne. Attends, ça fait loin quand même là. Hein. Attends, moi je quitte pas la Bretagne comme ça, attends. Hein. Attends. Eh, la Bretagne, attends, j'ai du mal à la quitter moi. sur mon seuil, moi j'ai tout qui marche nickel, sauf que ça marque pas le rendement. Pourquoi? Bah nous c'est Arsenic Modding qui nous a passé celui-là.
Voilà. C'est lui qui nous l'a passé. Il était passé sur un de nos lives en pleine nuit et du coup il nous avait passé cette version du Soy Mode en fait. Voilà. C'est vrai que c'est plus facile de le voir en rendement, tu vois. Bon après, je sais pas s'il est réel. J'ai pas prêté attention, j'ai pas cherché à faire de recherche. Je me suis dit, bon, ça me dit 125, je suis content, voilà. J'ai pas cherché à voir si c'était vrai ou pas. Mais bon, ça m'a l'air d'être correct. Normalement, ton N doit être à... ton N doit être à 6 et ton PK doit être à 4. À peu près, pour avoir un bon rendement. Donc, voilà. Attends, fais un tirage pour faire les vidéos avec toi. C'est chelou, c'est un peu, non? Fais un tirage. Ok, tirage au sort, c'est la loterie. Euro million, euro jouon. Attention, ça rigole plus. Ah ouais, pas mal cela. On va faire un euro jouon. Donc voilà, vous mettez des numéros, on lance le truc, et puis le numéro complémentaire et tout, hein, les gars. Et puis voilà, vous avez la chance de jouer avec moi. Je sais pas ce que tu veux comme tirage. C'est chelou ce que tu dis, en fait. Si tu mets un ouvrier, ça mettra du fumier, même s'il n'y en a plus. C'est vrai, Thomas? Non, sans rire. Excellent. Écoute, j'ai jamais essayé ce genre de truc. On va essayer après, hein, si tu veux. On va essayer, tiens, ta technique. Je savais même pas que ça marchait sur farming. Ce serait grave, quand même. Mais j'ai l'option avec le... Mince, comment il s'appelle le stanien là, le... L'autotracteur, comme quoi je peux lui dire de ne pas mettre les semences ou les machins. Donc ouais, il est possible qu'il mette... qu'il mette, ouais. Bah bon après, ah, c'est plus du jeu, bonhomme non plus. Hein. Ouais. Oh là. Mais pas tout à côté, JD quand même. Hein. Je cherche du travail pour coder, je passe et je me demande du coup si t'as besoin d'un codeur. Non. Non. Ouais. Non. J'emploie personne, hein. Allez go. On va essayer de faire un champ du moins, ça pourrait être pas mal. De toute façon on va être dans la merde parce qu'il me faudra énormément de fumier. Je sais pas ce que je ferai. Je sais pas comment je vais faire. Du coup avec l'équipe, je pense qu'on va... Il va falloir qu'on trouve une solution parce que... CTRL 0 pardon. Normalement il a dû garder l'ancien truc. Je vais lui garder l'ancien truc, c'est un lien. Ouais, c'est bon. Ah, moi je suis à côté de Paimpol. Je suis pas réellement... Je suis Paimpolais parce que je suis né à Paimpol, mais j'habite à côté. Faut mettre un ouvrier avec la touche H. Ouais, mais moi j'ai l'autocombine. J'ai l'autotracteur, donc du coup, même si j'appuie sur H, ça partira automatiquement sur l'autotracteur. T'as jamais vu quand tu mets un ouvrier à semer, il prend ses graines à lui, même si ton semoir est plein? Ouais, oui, ça, non, mais ça, j'ai déjà vu, mais... C'est pas ça, mais le fumier, je savais pas qu'il pouvait le faire par lui-même, en fait. On va essayer. Pourquoi tu vas si vite que ça? T'as encore défoncé la clôture. Oh, on va tourner comme ça, hein, il veut pas alors.
Ah, musique de la ferme de l'extrême. Alors là, attention. Attention les gens. Il y en a qui vont me demander ça, on prend quand? Sachez que demain on tourne un nouvel épisode encore. Demain. Donc ça devrait arriver assez vite. Je sais pas dans combien de temps. Ouais. Demain on tourne un nouvel épisode. Comment j'étais heureux quand on m'a annoncé ça. Quand on m'a dit je suis enfin disponible. Je peux demain. Donc demain 21h. Malheureusement on le fera pas en live celui-là. On en fera sûrement quelques-uns en live histoire de rigoler avec vous. Pour vous montrer un petit peu le genre de délire qu'on peut avoir. Pas dans le sens où... où on fait carrément tout l'épisode avec vous. Hein. Non, non. Juste vous montrer des scènes que des fois... voilà, c'est bidonnant. Quoi. Mais vous allez comprendre assez vite. Oui, on a dit qu'on voulait essayer l'autocombine, là, ou l'autotracteur, ou... On va voir un petit peu, là. Ouais, d'accord. Ah ouais, quand même. Boum. Pourquoi il veut pas? Attends. Ouais, c'est parce qu'il a presque fini le champ. Attends, on va aller dans un autre. Il nous appartient celui-là, non? Ouais, je l'ai acheté, ouais. Mais ça a l'air de marcher, hein, ce que tu dis. Hein. Donc en fin de compte, on n'a pas besoin de... Ouais, c'est dommage. C'est dommage, moi, je trouve. Non, ça doit être ici, à peu près. Ok, donc même avec l'autocombine en fait ça marche, avec l'autotracteur ça marche. Donc là on sait qu'il faudra qu'il tourne vers là. Il a du mal à vouloir partir quand même. Hein. On va le faire tourner comme ça, attends. Hop. Et il veut pas partir, il a un peu de mal à partir quand même. Et il part d'un coup. On sait pas trop ce qu'il fait en fait. Non mais je crois qu'il a du mal ton personnage. Hein. Il a quand même du mal à mettre du fumier. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, parce que tout est bon hein, dans le truc. Hein. Tac tac. Faudrait qu'il soit vert en fait. Quoi, c'est le fait que je chute la tête, ça lui plaît pas? Non, je sais pas, ça lui plaît pas, il y a quelque chose qui lui plaît pas, je sais pas c'est quoi. Donc, mais peut-être avec l'épandeur d'origine, hein, parce que là on utilise un mode, donc du coup, c'est peut-être pas bon. Non, il a pas mis les fourches en jeu encore. Enlève l'auto, il y aura l'ouvrier normal, d'accord. On va faire ça, ouais. Je crois que ton ouvrier il pète un câble. Non. Hein, il veut pas, hein, y a rien à faire. Hein. Tu vois? C'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, tant pis. De toute façon, on va le faire à la normale. On va pas commencer à tricher maintenant. Mais oui, je pense qu'avec un épandeur d'origine, il n'y a pas de souci. Là, on utilise un mode. Je pense que le mode, il veut pas. C'est pas grave. De toute façon, il me suffit d'accélérer. Ouais, mais si j'accélère le temps, je vais perdre ce que j'ai déjà mis, en fait. Ça va être une catastrophe. Bah, au pire, ce qu'on va faire, eh ben, il n'y a qu'un champ qu'on va pouvoir semer et l'autre, il faudra encore attendre qu'on ait passé, on va dire une saison, même si c'est pas une saison, mais on va attendre d'avoir semé et récolté les champs qu'on a déjà de bons. Et ensuite seulement,
D'ici là, on aura fait du fumier et là, on sera au top. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment une équipe à la ferme, une équipe qui s'occupe du soy mode et une équipe qui s'occupe de l'élevage. Et c'est pour ça que c'est bien top. Et ce qui sera encore mieux, c'est que quand on sera sur notre propre map, s'il y avait un soy mode Bresmabro, ce qui sera encore mieux, c'est qu'on aura même une équipe en légumes et tout. Donc on pourra énormément, tout ce qui est compost, tout ce qui est fumier et tout, on sera vraiment au taquet. Hein. On sera bon normalement. Donc on va faire comme ça, c'est pas grave, tant pis. On va faire comme ça. On va s'occuper que de ce champ là. Et ah bah oui, c'est vrai, merde. Alors là, la grosse boulette, n'oubliez pas de faire V. Voilà. Et bon, ouais, c'est détaché, c'est bon normalement. Ouais. Alors, ah par contre, je peux pas tirer la charrue avec celui-là, mon œil, ouais. Mon œil Jean-Pierre. Et la prochaine fois, je sais pas ce qu'on pourrait mettre comme culture là-dedans. Je sais pas. On verra bien ce qu'on va mettre. Ça pourrait être pas mal de mettre... Eh ben attends, parce que les autres ils vont gueuler, sinon on va être obligé de mettre du maïs, parce que sinon ils vont gueuler. C'est vrai qu'il y a plus... on n'a pas fait de maïs depuis longtemps. Et là... On aurait besoin de l'ensilage en fait pour les animaux. Eh ben tu veux pas t'attacher toi, Lascar? Voilà. Ça c'est bon. Comme ça il est attaché. Et il me faut un tracteur capable de tirer cette charrue là. Ça pourrait être sympa. On en a pas un là. Ah bah tiens. Voilà. Il va te falloir un nouveau ouvrier. Si ça, il va me falloir des nouveaux ouvriers. Ouais, c'est plus du jeu, ouais. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi Alain. Si tu commences à mettre des ouvriers qui pondent, qui sèment et qui... voilà, bah, tu t'amuses plus en fait. Hein. Tu t'amuses plus, c'est ça le problème en fait. Allez, c'est bien marqué Guigui dessus. Hein. Non mais sans déconner quoi. Le pire c'est que ça reste sauvegardé. Ah, lol, je me suis bloqué. Yep là. Du lin. En Bretagne ça marche pas mais bon. Eh hey, avant il y avait énormément de lin en Bretagne. Et oh, on va se calmer les gars. Hein, sinon je vous rappelle votre histoire. Mais on venait. Oh merde, je suis en train d'écraser ce mort. Et le lin après était. Ça servait à ça tous les lavoirs. Oh là là, il est méchant lui. Donc, on a dit, comme vous vous souvenez tout à l'heure, sur le tableau, c'était marqué que si on labourait, on gagnait 11 N et 4 PK. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit coup de labour. C'est pour ça qu'on va faire du labour dans ce champ-là. Même si cette charrue est vraiment énorme et que je la déteste parce qu'elle est portée de merde. Et on est dans la merde. Bien. Maintenant que tu t'es mise comme ça, ça pourrait être pas mal de bien partir. Oh là là, cachieux cette charrue là. On va faire ça. Alors, on va faire que c'est nouveau, tout simplement. On met pas de trucs comme ça, on s'en fout. Ça nous sert strictement à rien, j'espère. Ah bah merde, il avait sauvegardé ce que j'avais déjà fait tout à l'heure. C'est pour ça que j'aurais dû garder en fait. tac. Merde alors. Ça m'énerve, fait ça. Parfait, allez. On est parti. Ah mince, j'ai fait contrôle 0, quel con. C'était contrôle point que je voulais faire. Let's go. T'as déjà vu... T'as déjà vu du lin en Bretagne, JD? Moi non. Moi non plus, j'étais trop jeune, mais...
J'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Oui, énormément de nains en Bretagne avant. D'ailleurs, que si vous regardez bien ma charrue, si je regardais le dévers de tout à l'heure, on était pas mal. Là, on est limite, hein. Notre GPS est très très mal réglé. Très très mal réglé. Ah. Alors oui, la musique s'est coupée. Ah, la musique s'est coupée. Merde alors. On va la relancer. Si on peut la relancer, on va la relancer. Hein. Je vais juste regarder si je me mets là. Est-ce que ça se met bien? Est-ce que ça laboure bien? What? Pourquoi la charrue danse comme ça? Pourquoi elle fait ça? T'es sérieux? Et c'est la charrue d'origine du jeu, je crois, non? Et c'est celle d'origine du jeu, quoi. J'hallucine, quoi. Pourquoi elle fait ça? Quelqu'un a une idée ou quoi? Ah, c'est peut-être à cause du... Mais pourquoi il fait ça? T'es sérieuse ou quoi là? Et elle a pas un problème la charrue là? Alors, fichier X, ça va la replier. Alors, on va la relever. LOL. On peut pas la replier, merci. D'accord. Là, on est bien d'accord qu'elle est repliée. Ouais, sûrement du relief du terrain. Écoute, ça commence à faire peur. Donc là, elle est en position route, on est d'accord. Là, je la déplie. Non, mais sans déconner, tout le temps emmerdé tous les 5 minutes, quoi, avec ce matériel à la con. B. Il n'y a rien à faire. Bah, c'est pas grave, on va prendre une portée. Hein. On va prendre une 4-7 portée, et puis voilà. Ou la 5, du moins. Ouais, bon, bah écoutez. On va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent, on va aller là. On va la vendre, tiens. On va la vendre, on va la dégager, elle me saoule. Voilà. Pas me fatiguer de longtemps, moi. Bah ouais, je pense qu'il y a vu qu'il y a le mode pour rendre le terrain plus réel. Hein. À mon avis, ça fout la merde. On n'avait pas une charrue portée là, simple. Je crois qu'on avait ça quelque part. Bon, bah, si on n'a pas, c'est pas grave, on va aller au magasin. Là, j'ai vu une 7 socs portée. Ah, je pense vraiment à l'acheter. C'est vrai que c'est dans charrue, mais bon. On n'a pas de charrue, rien à faire. Ok. Ben c'est pas grave, on va prendre une portée. La seule portée qu'on a, c'est celle-là. Et ben, on est propre. On va aller chier loin avec ça. La misère. Bon, écoutez. Je vais aller chercher ça avec le jeune dire et je vais faire comme, comme les premières fois où vous avez montré un petit peu cette map avec le jeune dire, je vais réaliser ça. Celui-là on va le laisser là, dehors. Pour l'instant il est bien là, en pleine journée. Pas la peine d'aller le ranger dans le hangar, en plus il est pas lavé. Le jeune dire est là. Et sinon on va se le faire avec celui-là, tiens. Voilà, parfait, on va faire avec celui-là. Ouais, il n'y a plus de musique quoi. Nous on va dire au revoir d'abord aux gens de YouTube. Est-ce que c'est ouvert ici? Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'allais foncer dans le mur. Sur YouTube, on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde, portez-vous bien. A plus!